C'est la minute Pia-Pia. Hello, bonjour, bienvenue à la minute Pia-Pia, c'est Félicité, coucou, comment allez-vous? Eh ben, c'est amusant, ce matin j'ai fait ma méditation et j'ai reçu un message qui était « va marcher, va marcher, va marcher, va marcher ». Donc j'ai à peine pris mon petit déjeuner et je suis partie marcher. Vous voyez toute la lumière qui m'entoure, il n'y en a pas tant que ça, mais je suis entourée par des entités très lumineuses, c'est incroyable. Donc tout au long de la marche, j'ai senti une joie incroyable et on m'a dit « maintenant tu vas faire une vidéo pour ta chaîne YouTube, il y a quelque chose à partager ». Ça serait bien que j'ai un peu de visibilité, on ne me voit plus, voilà. C'est trop, il y en a partout. Alors, cette chose-là, c'est justement, lorsque vous vous sentez des fois, soit vous sentez les nerfs qui montent, vous êtes face à quelqu'un ou face à une situation, vous vous sentez fatigué, vous sentez que toute votre énergie a chuté en quelques secondes, ou vous êtes confus, vous savez, des fois on a des mots, on n'arrive plus à trouver les mots, etc. En fait, c'est embrouillé dans votre tête. Un petit truc à faire, on y va. Juste ça. Ouh, secouez la tête. Ouh, respirez. Mais vraiment. Hein, comme ça. Droite, gauche, puis vite comme ça. Ça va faire remonter l'énergie. C'est comme si vous nettoyez la cheminée. Hein. Vous vous rappelez le conduit qui part de là et qui descend vers les racines. C'est comme si vous nettoyez tout ce qui obstrue et vous rétablissez votre communication avec la présence divine à travers vous et à travers votre vie. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous transmettre, c'est très court, c'est super puissant, c'est très intéressant et vous pouvez le transmettre aux enfants. Quand vous avez un enfant qui est un peu en colère ou qui se sent trop triste, trop malheureux, lui dites « allez, lève-toi et on va faire culbuto !» D'accord ? Bien voilà, la minute Pia-Pia c'est terminé pour aujourd'hui. Ben, j'espère que ça va vous aider. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour toute la confiance que vous avez dans ce contenu, hein, dans tout ce qui vous est offert sur cette chaîne. Servez-vous. C'est avec le plus grand plaisir que tout ça vous a été communiqué. Je vous souhaite une excellente semaine. Ici, c'est une journée où on remémore les gens qui ont sacrifié leur vie, hein, lors de la Première Guerre mondiale pour un idéal, peut-être, défendre leur pays éventuellement, etc. Moi, je m'en sers plutôt pour prier pour la paix et pour que, j'espère, un jour, nous ne connaîtrons plus jamais les épisodes de guerre, quel que soit l'endroit dans le monde. Nous méritons tous d'être heureux. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu.